Welcome to the first ever episode. Wow! And yes. I'm the first one! You guys are the first. Okay, je viens de faire retourner trop. Okay, my bad, my bad. No, it's I'm all excited. Good. That's all what we good. Want. We want the authentic. We want the real. This is real because the name of the podcast is The Bond. The Bond is real. Love it. Because this ish is real. J'adore. Yes. Donc, moi, je m'appelle Stacy. I'll be your host for today. I got my brother right here, my brother man, my right hand man, Jalen. Yeah, I'm Jalen. I'm a youngin from Montreal, young entrepreneur, young athlete, and yeah, I'm gonna be here helping my sister. I'm on the left right here, but I'm a right hand person. Ooh. But we're gonna do this. We got this. Première invitée, nous avons Madame Pollan. Mademoiselle Pollan. It's me. Ma voix est clairement pas aussi grave que la tienne, mais mon nom c'est Pollan, effectivement. Je suis super contente d'être là. All right. Last but not least, la magnifique, jolie madame, jolie nana. Is it okay? Can I talk? Yes! Yo, je sais pas si... Vas-y. So, I mean, okay, present myself. Sorry. Je suis gênée là. Parce que, il n'y a pas de problème. Okay? On est okay. Tous gênés. Moi aussi, je suis gênée. En ce moment, on est tous gênés. Non, mais j'ai menti. Là. Pour vrai, je ne suis pas gênée là. Vous savez. Ah, yeah. Mais de toute façon, je ne savais pas si c'était. On me voyait parce qu'il m'a dit que. Ok, ok. So, à part ça, tu t'appelles comment? Ok, so my name is Lothar Ray. Est-ce qu'on a dit ce qu'on fait de la vie, genre? Parce que it's going to be long a little bit. So. Why not? Okay, so my name is Lothar. Nothing wrong with it. Okay, so my name is Lothar Ray. I do podcasts. I have a podcast by Girl from Laval. On est trois femmes noires. I have my show, Laurie Show, which is j'invite des personnalités publiques, des personnes. Bon, je sais pas si c'est des stars là, les stars québécoises. But j'invite les personnes de télé-réalité, je fais des interviews, whatsoever. That's what I do. Mm-hmm. Je suis une fake influenceuse aussi, I think. Fuck your shit! No, but fuck I, your shit! Own that shit, en 2022, il n'y a pas de fake. You are. Own it. You are. OK, I guess I am. Mm-hmm. And, bon, je suis une efficace YouTubeuse aussi, though, parce que je ne suis pas très constante, but, like, you know, I tried. But, I think that's it. Chroniqueuse aussi. Nice. Yeah, I talk a lot of shit. I love that. That's what we want. That's You're going to get want. Along with him. That's going to be your best friend right there. Yes, right there. T'es quel signe? Cancer. Cancer Leo. I'm on the edge. Cancer homme, it's okay. C'est ce que vous êtes un peu sentimental, though. Un petit peu. Beaucoup. Un petit peu. J'aime tort. Beaucoup. Et mais on parlait de CV. Il y a une personne qui s'est faufilée. Uh-huh. Puis je veux qu'elle donne un peu son CV aussi. Un petit peu. Parce qu'il est beau. Il est mignon. Il est mignon, tout mignon. Il est mignon. All right. Ben, mon CV à moi, à quoi il ressemble? Premièrement, bon, en gros, je suis ancienne travailleuse sociale. J'étais courtier immobilier aussi. Présentement, j'ai ma propre entreprise qui s'appelle Moglam. Donc, je fais des cadeaux personnalisés pour toutes les entreprises, que ce soit pour la Saint-Valentin qui s'en vient, guys. Si vous avez besoin de cadeaux, allez sur mon site web. Je fais une pub en même temps, là. OK? www.moglam.ca. Donc, je fais des cadeaux personnalisés pour toutes les occasions, comme j'ai dit, dans le corporatif, dans le sportif, mais aussi pour le particulier. Donc, mariage, anniversaire, baby shower. Puis aussi, je travaille dans l'événementiel. Donc, je suis chargée de projet dans l'événementiel. Et je donne aussi des formations aux entrepreneurs dans une entreprise où j'aide les entrepreneurs à partir du bon pied. Donc, c'est des formations sur une certaine durée. Puis, à la fin du programme, ben, ils peuvent démarrer leur entreprise du bon pied. Nice. Donc, en gros, c'est ce que je fais dans la vie. You see why I wanted her to talk? You see why I wanted her to... J'aime ça. Ça a coulé un peu. I love it. That's awesome. That's me. That's really awesome. I feel like all of us are quite artistic as human beings. Mm-hmm. We have that, like, artistic energy. What was one thing qui vous donne la vie right now in terms of art? I think it's the people. Mm. I really think, moi, personnellement, je pense vraiment que it's the people. And tout ce que je fais aujourd'hui, tout ce que, où est-ce que je suis rendue, whatsoever, I really feel like c'est vraiment les gens qui m'ont boosté. Tu sais, j'ai jamais décidé d'être so bad de l'avant, like that. Like, mettons, la première fois que j'ai animé un spectacle, c'est un second spectacle, puis c'était ma prof qui m'a proposé. Mm-hmm. Puis moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Mais t'es comme, non, tu serais bonne, Laurie, tu parles beaucoup, tout le monde t'aime dans la classe. Puis elle m'a dit, va à la pratique, un second spectacle pendant le dîner, puis je suis sûre que tu vas aimer ça, whatever, puis tout. Fallait inventer des sketchs, whatever, puis tout. Puis
I guess I was good because people was acclaming me là. Fait que fait que depuis ce moment, j'ai jamais arrêté dans le fond. Genre, I just never stop. And après ça, c'est toujours des autres affaires. Hey, je te vois à la télé. Hey, je te vois si. Comme je pourrais dire, legit, en vrai, c'est les gens qui contrôlent ma vie en fait. Parce que they just decide for me what they see in me. Puis au début, moi, je suis jamais chaud. Comme je suis toujours comme I don't think so. Puis après ça, je suis comme il y a trop de gens. Fait que je suis comme you know what? Let me give to the public what they want. You know? Mm-hmm. And yes, that's what I do. Je pense vraiment que c'est les gens qui me boost up et qui me motivent every day. Comme that's wonderful. Vraiment, yeah. You know, sometimes we get this thing, this idea that les gens sont négatifs, les gens sur Internet, there's this like, il y a des haters. Of course. C'est whatever, mais ça fait du bien et c'est rafraîchissant d'entendre quelqu'un vraiment, qui dit que vraiment. Non, j'ai des gens, they support me, c'est actually eux qui m'aident et qui me poussent dans mes choses. Vraiment, ben même les haters te poussent aussi, là, you know? That, I mean, they help you too. J'en ai pas encore assez, moi, pour... It's okay. Quand tu es arrivé, c'est une forme de motivation qui, comme des fois, vraiment. Tu peux pas trouver un autre plat, genre. Exactly. Ça, c'est mon athlete side. C'est ça que j'allais les dire. Les personnes sont genre, yo, tu n'as jamais arrivé. Je suis comme, hey, say less. I'm going to get there. Puis, pas rendu là, t'es genre, c'est quoi tu dis? C'est ça. I feel that. Parce qu'à la fin de la comme si, I feel like the haters, they want to be you. They want to do what you're doing. Puis, most of the people, moi, personnellement, mettons, most of the people that talk shit about me don't even do the half of the thing that I'm doing. See? And be jealous. Let's talk about that. Exactement. Let's talk about that. Tu comprends? They don't even do the half. How is it that the people who talk the most do the least? C'est toujours comme ça. Parce qu'il y a des gens, ils vont venir, ils vont te dire tout ce que tu fais de mauvais. Comment est-ce que tu n'es pas en train de faire ça? Comment tu n'es pas en train de chercher les choses? Comment tu n'es pas en train de trouver des solutions à ta vie? Comment est-ce que tu n'avances pas dans la vie? And yet, they're not trying. Because that's what they know how to do. Il y a une différence entre dire et réaliser qu'est-ce que tu dois faire and putting the work and actually doing it. Exactly. Puis genre, c'est dur de faire les deux. Puis la majorité des personnes qui put in the work are not going to talk about it. On va le faire sur le side parce que tu peux le faire get hate just parce que you're sharing and you're like, tu vas share tes accomplishments, les personnes vont hate. So most of the time, people are going to be like, ah, je vais garder ça pour moi-même. So if people be talking, it's because that's all they know what to do. Mais c'est aussi quand tu arrives dans une situation puis tu n'arrives pas à le faire, tu as deux choix. Soit tu trouves une solution, soit tu trouves une excuse. Pis la peur des gens, justement, qu'ils n'arrivent pas à faire ce que tu fais, ils sont tellement comme ashamed aussi, puis aussi ils ont honte de ne pas pouvoir le faire. Donc tout ce qu'ils font, ben, c'est trouver des raisons. Oh, elle a réussi parce qu'elle avait de l'argent, elle a réussi parce que sa famille lui a permis, elle a réussi parce qu'elle a fraudé, etc. Mais dans ce sens, c'est juste une façon d'arriver à se complaire dans leur médiocrité aussi. Fait quand comme tu vois qu'il y a des gens qui vont aider sur toi, ben, tu dis merci beaucoup. Moi je leur donne l'amour, oui, c'est ça que comme moi je leur donne l'amour. Yo, si tu viens m'écrire, j'aime pas que ce que tu fais, j'envoie des cœurs parce que t'as besoin d'amour. Tu comprends? Ça, c'est des gens qui s'aiment pas eux-mêmes, sont pas capables d'assumer les faits. Quelqu'un, c'est mes préférés, oui, en passant, c'est mes préférés parce que tu vas prendre le temps d'aller créer un email. Yo, c'est long, oui, tu dois créer un email, mettre toutes les informations, numéro de téléphone. C'est ça leur grind, dans le fond. C'est ça leur grind. C'est leur grind. That's a lot. See, I don't get that, puis ça me fait peur. Oh my and God! Even with this podcast, être devant les gens, sortir les choses et tout, like, there's this fear of in me that's like, okay, no, how is this gonna work out in terms of, like, les gens, comment est-ce qu'ils vont recevoir le travail? And do you guys ever feel like that while given that you produce things? And c'est quoi, quel genre de conseils que vous aurez pour quelqu'un comme moi qui débute in the public eye and what to expect? And sincèrement, je peux vraiment coordonner ma chose en ce moment parce que je suis la personne qui a le plus peur d'être devant la caméra. Je suis là aujourd'hui. C'est vraiment un goal que j'avais. Merci. Wow, à vous j'adore. Que je suis là aujourd'hui, 2022. We're going to grow. Love together. It. Yes, ma'am. Sortir de sa zone de confort, it's actually growing. Ouais. So much. Ça, c'est definitely le motto de 2022 pour moi. Tu l'es dead. Merci. On le dead, guys. I know, you're gonna hate me for this one, but it's your birthday. It's my birthday. Oh, bonne fête, en plus. C'est son cadeau de fête. Mais ça, j'allais dire, tu donnes un cadeau en ce moment, like growing, you know? Quand on m'a fait la proposition, j'étais comme, oh, hell no. Non, être devant la caméra. En plus, il voulait pas me dire c'était quoi le sujet, j'étais comme, impossible. Puis à rien, je me suis dit, OK, you're a grown woman. Comme, de quoi t'as peur? C'est ridicule? Tu mourras pas. Fait qu'au pire des pires, t'auras juste l'air ridicule. En tout cas, je pense pas que j'ai l'air ridicule en ce moment. Non, you're looking cute, you're looking fabulous. Thank like, we love so that. Fait que le conseil que je peux nous donner, OK, ça serait de do it anyways. Sincèrement, quand je suis venue ici, je savais du tout pas à quoi m'attendre. J'avais aucune feuille de route.
puis regarde, ça se passe super bien jusqu'à présent. Puis même si ça se passe mal, au pire, on apprend, tu vois. Mm-hmm. Donc, moi, j'ai des goals, je ne vais pas les mettre sur la table. Oui, regarde, je vais le dire publiquement. Voilà, okay? Manifeste, Dachée. Manifeste. Je vais le dire publiquement parce que si je ne le dis pas, je sais que je vais faire comme, oh, personne ne savait. So, mm-hmm. OK, guys, mark my words, OK? Avant la fin du mois de février, je vais sortir ma chaîne YouTube. Yes! Yes! Okay. Là, c'est noté, t'as une pression. Oui, parce que deux, mais j'ai mis pour toi. J'ai demandé où est la chaîne. Non, mais on va te hold account. T'as besoin de cette pression des mais fois. Je sais, mais ça. Pas des fois, tout le temps, je te dirais. Parce que je suis le genre de personne qui a plein d'idées. Comme on parlait de créativité tantôt, ouais. J'ai plein d'idées. OK, I'm gonna do that. Puis après ça, je suis comme, you know what, never mind. Mais finalement, le fait de justement parler aux gens autour de toi, puis le fait de te dire, ben regarde, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire. Finalement, tu te rends compte qu'il n'y a rien de si difficile que ça. Tu dis, ben why not? Fait que là, cette année, je suis dans le why not. So, why not? Je suis là. Why not? Genre, ma chaîne YouTube. Why not? I'm going to be famous. Yes, yes. Say what you chest. Say what you chest. Yeah, manifest. Oh, j'adore. Mais moi, pour toi, qu'est-ce que je peux donner comme conseil? C'est de vraiment justement pas penser aux gens. Genre. Ouais. Parce que moi, mettons, n'importe quoi que je fais, je pense jamais aux gens. Genre. Je pense jamais, oh, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Hein? Yo, des fois, je fais des live guys. Mon style est mal mis. Comme, OK. Tu comprends, demain, je vais l'arranger. C'est tout. C'est trop tard. C'est ça que j'allais te demander. En tant que quelqu'un qui fait des lives, il n'y a pas de edit, il n'y a pas de... It's live. C'est live. C'est là. Si tu as une crotte de nez, en plus, t'es seule. Ouais. Il n'y a personne qui fait des lives. J'ai pas de technicien autour de moi. T'as un petit truc ici. So how do you handle that pressure? Mais pour moi, c'est vraiment, comme je t'ai dit, les gens qui me follow up et qui me support, ils ont quand même still mon back. C'est ça que j'aime. Ils sont pas... Like my people are not even mean. Comme ils vont me le dire dans les commentaires, puis je vais faire comme oh shit, ok. Tu comprends? Comme je suis en direct avec une personne, je fais une interview, on va dire avec toi, puis on va dire yo Laurie, t'as mal mis ton style aujourd'hui, mais là au moins je le sais. Mais à des pendant que je te parle, je peux pas faire ok my bad. Puis like I have to, you know? Yeah. Je fais une interview, c'est too late to apologize. Like comme je fais l'affaire. I gotta do what I gotta do, you know? À des endroits, je fais l'affaire puis c'est tout. Fait que c'est vraiment de pas occuper. Puis dis-toi même que comme pendant les lives, c'est à peine si je regarde vraiment les commentaires parce que je vais tellement focus like on the person que comme les commentaires, genre je sais pas quelque chose que je regarde vraiment comme deeply like that, genre. Comme c'est vraiment eux qui vont me snitch après, oh quelqu'un a dit telle affaire, je suis comme Il faut pas oublier aussi là, tu sais, je suis pas influenceuse, maybe one day, mais yes. Ce que je veux dire, c'est que les gens souvent ils oublient que c'est un être humain quand même qui est derrière la caméra. Tu sais, ils s'attendent que oh parce que t'as plein de followers, que you gotta be perfect and everything. Non, comme ça m'arrive aussi, comme t'as dit, d'avoir mon style croche, d'avoir une crotte de nez, tout comme toi. Fait que souvent ils oublient cet aspect-là, puis il faut faire fi de tout ça, puis de dire tu sais quoi, comme tu veux faire du hate parce que toi t'arrives pas à le faire, ben keep watching me. That's it. Mais à la base, je dis que les personnes genre c'est quel humain à la base est parfait? What is perfect? Moi, je me suis toujours demandé, c'est quoi la définition d'un humain parfait? I'm sure no one can give it because it doesn't exist. C'est exact. Et c'est genre, il faut se donner la chance de se pardonner and genre, give us time to grow. Comme quand tu fais des erreurs, yo, t'apprends. Puis comme j'ai ramené le sport encore une fois, on m'a dit, quand tu peux, t'as deux choix, tu gagnes ou t'apprends. And I just feel like in life, it's the same thing. You either win or you learn. It might hurt, but you have to learn and take it. Ouais, puis, c'est vrai ça. Faut juste embrace les erreurs, Puis je trouve qu'en plus, après, je trouve qu'on est encore plus fiers de nous. Je trouve comme, mettons, si je regarde quand j'ai commencé, puis maintenant, on va dire, c'est juste mon make-up game, on va dire, oh my God, guys. Girl, on a tous passé par là, don't worry. I'm still learning make-up. J'attends qu'on m'expose un jour quand même pour ça, parce que c'était green. This was not cute, you know? C'est pour ça que je trouve ça nice de voir le cheminement. Puis, tu sais, j'en ris en ce moment, tu comprends? Fait que juste de voir, toi, mettons, un avant-après, it's funny. Puis, tu vois ton groupe, puis tu es encore plus fier de toi. Tandis que quand t'as tout cuit dans le bête, c'est comme, you know? Fait que je pense que c'est ça que comme on peut être vraiment fier de nous, de comme justement on fait des erreurs, qu'est-ce qu'on a foiré, puis tu le dead encore plus. Parce que c'est ça l'affaire, c'est que tu foires, mais tu le dead encore plus. Après, t'es comme, qu'est-ce qu'il y a de do better, qu'il y a de do. Si t'as rien pour te forcer à faire mieux, mais I mean, what are you doing, you know? Sa tête, je trouve, a plus excellé, en fait, dans qu'est-ce que tu fais, je trouve. Et c'est ce qui fait les gens inspirants aussi. Bon, s'il n'y a rien d'inspirant à avoir quelqu'un qui l'a toujours eu facile. Exactement. Quand tu vois quelqu'un qui, comme on dit, started from the bottom, c'est ça qui fait comme, oh, wow. Puis moi, je trouve ça inspirant de dire, OK, ben t'étais là. Puis moi aussi, je suis là en ce moment, mais j'ai espoir que je puisse arriver à un certain niveau aussi. Donc,
Ouais, je trouve ça important. Ouais, comme justement, comme mettons les gens athlétistes. Oui, c'est ça le mot. En tout cas, j'allais dire les gens fitness. les gens qui font du sport. Les gens qui font du sport, on va dire, ou des personnes qui voulaient maigrir, tu vois, leur produit. Ouais, ça t'encourage. Tu sais, vraiment, t'es comme shit. Cette personne-là était 400 livres, on va dire. Là, elle est rendue à 100. OK, ben, I can do it too. Ça motive. Tu sais, tu commences quelque part, puis c'est ça qui est beau, je trouve, genre. Are you scared of success? Or are you scared of failure? Failure, c'est sûr, là. Ah ouais? Mais moi, oui, là, j'ai moi, j'ai peur du succès. For real? Yes. I don't. Because okay, I'm like... Perso, je dirais un peu des deux. Je vais comme justifier mon peur du succès. Mon point, c'est plus... Tu sais, quand t'as jamais été dans un endroit, t'as comme peur de l'inconnu. Voilà. Je pense que l'être humain, de base, a peur de l'inconnu. Je dirais pas que... Oui, le succès, ça peut changer les gens. Je pense que ça peut juste rehausser qui tu es, un peu comme l'argent. Mm-hmm. Mais quand tu connais pas une situation, t'es comme... OK, qu'est-ce qui va arriver si un jour je fais comme 1 million? Comment les gens vont réagir? Comment est-ce que je vais réagir? Comment est-ce que je vais m'adapter? Quel genre de personne que je vais être et tout ça? Fait que je dirais pas que j'ai peur du succès, because I want to be successful, mais j'appréhende beaucoup le succès. Je le dirais comme ça. I agree. Toi, pourquoi t'as peur? Je pense que c'est l'aspect de... How am I going to handle it once I get it? J'ai une question pour toi, ça ne dérange pas. Vas-y. Est-ce que tu mets... Tu sais qui est mon frère m'aurait jamais demandé la conversation. Écoutez, Do you put success and fame in the same box? No. Okay, because you can be successful without being famous. Mm-hmm. Yes, of course. And either l'autre côté. Absolutely. Absolutely. No, famous and that is it's the same thing with being popular. That's just a numbers game. That doesn't mean anything. Est-ce que toi, t'as peur, mettons, tu aurais peur d'être famous, genre? I don't even... J'ai même pas le concept de ça. J'arrive même pas à m'imaginer ça a l'air de quoi être quelqu'un qui est famous comme ça. Puis les gens, t'arrives à une place, puis les gens sont comme... I can't But the question is, do you want to be famous? I don't care for famous. No, do you want to be yes or no? Not really. Okay. Mais parce que le vibe que je suis de toi, c'est que t'es très, t'es un peu réservé. Yes. But you out there at the same time, kind of thing. Damn, yes. You're good. You're really good. Spot on. J'ai quand même bonne à analyser les gens. T'es bonne parce que si je peux parler de ma soeur, c'est, je pense qu'on est un peu la même personne sur le fait qu'on we want to be successful, c'est l'affaire qu'on veut le plus. Mm-hmm. But we're low-key scared of being famous. I'm terrified. I love my privacy. I love being doing shit, pas rien, je suis dans mes shit. Personne ne sait où je vis. Personne ne veut même savoir où est-ce que je vis. They don't care. Comme, I feel like you don't like, comme... Vous aimez, mais pas que vous aimez pas, mais t'es pas quelqu'un qui you want to be in the spotlight so bad, genre. Yeah. Genre je veux que ma vie, mes choses soient utilisées comme un vaisseau pour d'autres choses, pour les d'autres gens. Even like podcasting, like I'm here, mais en vrai c'est vous qui êtes là. C'est votre journée à vous. Déjà toi c'est vraiment ta journée. Birthday girl. Déjà. And c'est ça. So I don't famous. Popularity, it don't mean anything to me. It doesn't mean anything to me. Puis j'ai plus peur de est-ce que ça va me changer comme personne? Because I like the person that I am. I've worked a lot to get to where I'm at. And I like the person that I've become. Puis je suis comme, OK, mais si les gens sont au courant, puis me connaissent, est-ce que ça va m'influencer à changer mon core de qui je suis? So, I don't know. Ben, ça vient encore un peu, je pense, avec la peur du jugement. Là. C'est pas tant toi, c'est plus qu'est-ce que les gens vont dire de toi. Moi, par exemple, avec la chaîne YouTube que je te parle, ça fait longtemps que j'ai plein d'idées, etc. Mais je suis comme, OK, qu'est-ce que les gens vont dire? Oh mon Dieu, elle a un gros front. Oh mon Dieu, regarde, elle parle trop vite. In the house. Non, mais comme je disais tantôt, à the end of the day, that's who I am. Fait que si les gens, si t'aimes pas, comme on dit, si t'aimes pas ça, ben déconnecte, that's it, c'est ouais, tout. C'est vrai. Fait que c'est. C'est ça, c'est je pense vrai. Que c'est beaucoup une question de peur du jugement des autres aussi qui vient en jeu là. Mais aussi, you have to love yourself before expecting other people to love you. Exactly. Si toi, tu ne fuck pas avec toi, qui va fuck avec toi? Exactement. Si t'es pas ton G qui va... Mais tu pourras pas être non plus, là. True. Si quelqu'un arrive et te dit, oh, regarde, j'aime pas ta face ou j'aime pas comment tu s'habilles, puis déjà, t'as pas confiance en toi,
Papa va pas t'exploser comme that. Ça. Travaille sur toi-même en premier, puis après ça, build. Mais effectivement, ça c'est tellement important, vous comprenez même pas à quel point. Parce que moi, mes tontes, genre, comme j'ai un following quand même, puis il y a des petites jeunes filles qui viennent m'écrire, genre, ah, oh, tu sais, comment tu fais pour t'en foutre de ce que les gens disent, hein, puis tout. Premièrement, beaucoup de bullying, OK, de la part de ma sœur, shout out to my sister. Je l'ai dit à chaque... Shout out to my brother. I got you. Comme, can touch me now. Nothing. Je jure, c'est tellement important. C'est après que tu grandis que tu comprends comment le bullying était important. You know what I mean? You was crying, but like, now it's okay, you know? Mais c'est beaucoup de bullying whatsoever et tout, mais c'est aussi de savoir t'es qui. Comme si t'es pas... Si je savais pas j'étais qui, yo, les gens seraient en train de m'affecter... Les commentaires des gens seraient en train de m'affecter every day. Mm. But the fact that I know who I am, nobody can touch me, man. Nobody can touch me. Nobody can... Les gens peuvent même pas essayer de try, because ça va pas m'affecter. Surtout, yo, sur Internet, come straight to my face and now we could talk. Mm-hmm. Mais... Cybertalk, ah, j'ai pas le temps. Comme... C'est ça que j'allais te demander avec tout le following que tu as. How do you even manage all the... So many people. Ouais, pour moi, c'est long. Il y a beaucoup de gens sur Internet. Yeah, a lot. Ils ont beaucoup de temps à perdre aussi. Ben oui. Yo. Surtout confinement, COVID and thing, you know. They have a lot of time to lose, you know. Mais je pense... Mais c'est long, mais ça vaut la peine with like the people that... really there for you, comme je vous dis, mon following, bon, se sont donné un nom, les Low Riders. Yeah, that's dope. Ouais, c'est eux qui ont choisi eux-mêmes, là. Ils sont vraiment cute, like, I love them so much. Non, j'adore. I feel like, you know, Nikki, elle a les burps et tout, puis là, j'étais comme, oh my God, you're Low Riders, puis ils l'ont vraiment dit, j'ai adoré tout, mais dans ce sens que, comme, c'est important pour moi de vraiment connect with my people, puis moi, je work de nuit most of the time, fait que c'est là que je réponds tous mes messages, puis tout, de un par un, comme je fais des 12 heures de I got time. Fait que c'est là que je prends mon temps de vraiment répondre. C'est vraiment long pour de vrai. It is really long. J'ai récemment commencé à poster un peu plus. Mm-hmm. I recently signed to a modeling agency. Oh, nice. So I'm like trying to post more, trying to have a little bit more of like an online presence, aussi élaborer mon brand. I see you too. No, I see you too. Girl, we see each on other. Se voit, yeah. On se connaît. So, but it's so hard to answer messages. It's so hard, even like comments on the pictures. Oh, wow. Yeah. Hey yo, tu parles au shittiest texter out of here, genre. Ouais. Non, moi, c'est une maladie. Faut que j'aille voir genre un pédiatre, pas un pédiatre. Un pédiatre pour les yeah. You're a grown man. Faut que j'aille voir un adulte, pas un adulte, un médecin. Non. God damn, yo. Give me a chance. No, we did. You had three children. Un pédiatre, on a dit. Faut jamais consulter. Let's just keep it at that. Yeah. I'm one of the worst textures, I feel. Yo, it's just grave. But why? Is there a reason? Like? I don't know. It's just like, yo, je sais même pas. C'est quoi ton processus? Quand tu vois le message, c'est quoi qui se passe dans ta tête? C'est a good question. S'il vous plaît, demandez-lui. Pour moi, il faut que ça soit pertinent, je trouve. OK, donc puis les gens qui te textent comme... pas sont pas pertinents. Non, ils te textent sont pas pertinents. Non, c'est juste des fois comme... Puis à même... Peut-être que je m'enfonce en live. Mais genre... Enfin, moi, je t'écris. Non! C'est pas pertinent. Et que tu ne réponds pas. Non. C'est pas pertinent. C'est pas pertinent. T'as tout compris. Non, mais faisait beau aujourd'hui, vous trouvez pas? Faisait beau. Non, mais non. Honestly, it's just I feel like sometimes... Faut vraiment que t'as consulté un pédiatre. Yeah, un pédiatre for real. Je trouve que comme il y a des moods que j'ai et genre on dirait comme si ça sort de ce certain mood, je suis juste pas capable genre. So, disons je suis de bonne humeur là, tu viens me comme casser mon vibe, j'étais comme that's gonna be for next time. Let me just text you another time puis j'oublie. So yeah. I just never text you. So that's pas gentil. Non mais c'est pas, je suis vraiment pas exprès puis je suis conscient que c'est quelque chose faut que I have to work on. Mais c'est, je fais pas exprès. C'est juste comme like if you try, d'abord toi tu vas avoir des beefs avec ta femme, mes amis. Like à moins qu'il avertisse à l'avance. Oh, moi, je dis straight up. Mais je dis déjà, il n'y a pas de fille. Ah non, beef. Moi, beef avec toi. Every I know day, I have shit to work on. I know. Don't worry. At least, you know. C'est un bon début. C'est la première chose. Ouais. Première étape. I'm there. Mais là, bon début. Yeah. J'apprécie. Baby steps. Mais au moins, okay, est-ce que mais toi, t'aimes pas texter, mais t'es quelqu'un qui aime ça parler au téléphone, genre? Is it this? I love face-to-face conversations. OK, c'est ça. Ah, ouais, moi, je suis un gars. C'est le contraire. Ah ouais, j'adore les connexions, genre comme live, je sais. C'est yeah, non, blessed. Non, c'est sûr. Faut juste que j'oublie les caméras, mais comme elle dit, I'm blessed. Ouais, puis le gros micro de ouais.
Moi, j'arrête pas de le bouger. Non, ça, c'est sûr. OK, c'est pour ça. Parce que most of the time, c'est le contraire. Comme moi, je déteste parler au téléphone. Je vous jure, don't call me. Genre, si tu peux me voice note à la place, text me, do the thing. But call, I ain't got time. Like... Right. Yeah, non, mais c'est pour ça, je pense, parce que souvent c'est le contraire. Les gens, ils aiment pas texte, they like to talk on the phone. Ouais. Moi, j'aime bien parler au téléphone, j'aime bien les FaceTime, j'aime bien les audios. Ouais, FaceTime aussi, j'aime bien. I enjoy that a lot. J'avais une autre question pour vous. How do you move with fear? So, tu sais, t'as la peur, t'es comme, OK, je veux faire ça. Et il y a une distance entre la personne que j'étais et la personne que je veux devenir. How do you make that leap, that jump? And how do you mind yourself in order to do that? Par rapport aux choses que vous avez déjà accomplies dans vos vies so far. I don't jump. personnellement, c'est un step qui est très difficile à faire pour moi, je trouve. Parce que je suis quelqu'un de très perfectionniste dans ce que je fais. J'aime vraiment ma zone de confort. Voici pourquoi en 2020, ça va changer. Mais une des façons que j'ai trouvé de passer ce step-là, c'est d'en parler. Parce que ça me met une pression, comme je fais un peu en ce moment. Parce que quand tu n'en parles pas, ben, ça reste entre toi et toi. Puis quand tu en parles aux autres, ben là, ils vont te dire « Ah, oh, mais t'avais dit que t'allais faire ci, t'allais faire ça. » Et je déteste avoir honte. Donc, finalement, je finis par le faire. Donc, pour moi, c'est une façon de passer par-dessus. Puis une autre chose, ben, c'est beaucoup de rationaliser la chose, de se dire « OK, ben qu'est-ce qui peut arriver dans le pire des cas? » Tant que ça ne mène pas à la mort, généralement, ça va. Puis sinon, un autre truc, ben c'est « Pray about it. » Parce qu'à the end, if it's God will, ça va arriver no matter what. Fait que pourquoi attendre? Do it now, puis enjoy it later. Parce qu'au lieu de le faire later, puis never enjoy it. So, c'est un peu ça que je fais pour m'aider à surmonter la peur. I like. Moi, je suis en train de prendre des conseils en ce moment. Là. Le podcast, c'est on moi est qui tous prends en des train conseils. C'est moi qui prends des conseils and I'm trying to figure my life out right now. J'adore, mais pour moi, c'est un peu comme toi, mais je pense que c'est aussi genre d'assumer, je pense. C'est ça qui m'aide, c'est de assumer everything that I do. N'importe quoi que je fais, je vais assumer. Même si que je foire, je vais assumer. Yo, j'ai foiré, man. Puis je continue and like keep doing what I'm doing. Puis je pense que c'est vraiment ça qui est important. Puis que je pense que la peur n'est pas capable d'englober vraiment, genre, qu'est-ce que je fais, je pense. Parce que je suis comme, je dois juste le dead. Like, we're black women, you know? Like, nous, on doit le dead, genre. That's another thing, too. The pressure the of pressure being a black woman. Yeah. Sur quelle sphère? De quelle sphère? Sur toutes les sphères. Il n'y a aucune sphère où être black woman is like a walk in the park. Dans chaque sphère, que ça soit dating. Que ça soit even in the workplace. Oh, mais à mon ancien travail, des gens qui viennent me touchent les cheveux. Okay. Out of nowhere. Mais qui fait ça encore? Listen, and you're like, why? Yeah. Why? Qui t'a dit? Comment tu t'es sentie confortable? Je suis assise à passer puis faire pion. Non. Même dans le domaine, dans tous les domaines. Partout. Parce qu'en fait, j'essaie de penser à un domaine que on n'a pas d'échappatoire. Like, black women, déjà là, on sait que c'est la femme la plus oppressée, you know? There you go. On n'a pas d'échappatoire. And no, if you're part of the couleur, LGBTQ community, forget about it. And you happen to be black, forget about it. Yeah, puis la fin, c'est que black women, il y a tellement d'oppression dans différents levels, comme tu as dit, dans LGBTQ, dark-skinned women also. Yeah. So, girl, on n'a aucune échappatoire. Okay. C'est ça. So then it's like a lot of pressure. And like, it's a lot of stress and a lot of pressure on the shoulders to be able to thrive and just like not survive. Parce que, tu sais, on est capable de survivre. Exactement. On est capable de get shit done. On est capable de work through things. But thriving, c'est un autre sphère. Puis ça demande d'autres types de travail sur soi. But how can you do that work on yourself when the society you live in is just trying to decimate you? Yeah, exactly. En fait. How? Mais c'est ça qui est dur, mais je pense que c'est pour ça que, justement, tout ce qu'on fait, on le dead. Tu comprends? On n'a pas le choix, en fait. Fait que, I really feel like black women, n'importe quoi, comme vous avez vu comment j'étais excitée de vous voir comme si je vous connaissais. Yo, like, moi, juste, like, seeing black women doing shit, I am already rooting for you. C'est pour ça, moi, j'étais comme si que moi, je suis déjà, parce que moi, je suis dans tes lives, là, tu sais pas, mais je suis dans, tu vois,
personnes qui font les cœurs à la société, c'est moi. Je suis là. Mais c'est tellement vrai. D'être un exemple pour de vrai, là, je trouve que ça fait tellement une différence. Puis quand je dis être un exemple, je pense qu'on l'est tous, no matter what, dans, même dans les petites actions qu'on fait. Mais tu sais, tantôt, je parlais que je travaille beaucoup dans les formations, je donne des formations aux entrepreneurs pour qu'ils démarrent leur entreprise. Puis cette semaine, je donnais une formation, puis à la fin du cours, il y a une dame, elle m'a demandé de rester. Peut-être qu'elle va se reconnaître si elle écoute le podcast, je ne dirai pas de nom. Puis à la fin, on ferme le Zoom, etc., puis elle part à pleurer. Puis elle me dit, I'm so glad, genre, d'avoir quelqu'un comme toi, genre, qui en parle. Puis il y avait sa petite fille à côté. Wow. Puis elle était comme, là, elle demande à pleurer, mais tu sais, moi, je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai dit dans le cours? Est-ce que je t'ai blessée, etc.? Puis elle dit, non, c'est juste que c'est le fun d'avoir un modèle pour que je puisse être un modèle pour ma fille aussi. Wow. Mm. Tu sais, souvent, ce qui arrive, c'est que dans la communauté, OK, là, je parle très stéréotypé, mais c'est toujours comme les. Je travaille dans l'entrepreneuriat. Fait que c'est toujours comme les petits commerces, les petits casse-croûtes, les petits baisses, tu vois, etc. Mais de voir des femmes qui ont des vraies. OK, je ne vais pas dire vraies entreprises parce que toutes les entreprises sont vraies, mais qui ont des entreprises qui grandissent, qui fleurissent, qui inspirent, etc. D'être un modèle aussi pour ces femmes-là, puis de dire comme. OK, oui, t'es black, oui, t'es une femme, oui, t'habites à Montréal, etc. Oui, t'es pas riche, mais tu peux quand même y arriver, tu vois. D'avoir des modèles aussi qui inspirent, ça, je trouve ça vraiment amazing. Fait que, okay, cool. Ouais, c'est vraiment important. Puis c'est pour ça que moi, je mise toujours, puis je parle toujours à quel point que la représentation, c'est tellement important. Puis, tu sais, comme on parlait de les affaires famous pour la vie, puis tout, guys, je vais vous dire un thing. Moi, j'ai jamais voulu être une famous girl. Je sais pas si vous. Je sais pas si vous comprenez. J'ai jamais été comme, I want to be famous. J'ai jamais. I just being myself, talking shit. And some people like that, you know? Yeah. Mais j'ai jamais été comme, I want to be famous, I want to be see. Comme moi, j'ai juste été toujours comme de l'avant. Mais toi, j'étais toujours présidente de classe, on va dire, reine de balle, des affaires comme ça. Like, people fuck with me, you know? Yeah. But the vibe don't lie. The authenticity don't lie. And don't lie. You're relatable. You're relatable. Hey, c'est vraiment part, genre, sur tout ça, genre. Quand tu as une personne qui thrive et il y a beaucoup de points, vous êtes capable de relate on, c'est beaucoup facile d'apprendre à être comme, yo. Je peux faire la même chose que, ou mieux peut-être. Je veux faire la même chose ou better mieux. Better than me, I don't know. C'est pour ça que je me suis. C'est le concept. Yeah, c'est le concept. Different. Differently. I like that. Yeah. Don't try to steal my job. D'être soi-même. Je pense que, tu sais, avec tout ce qui s'est passé, sans entrer dans le Black Lives Matter et tout, je pense qu'en tant que femme noire, c'est important d'être qui nous sommes. Exactement. Souvent, on a été porté à vouloir changer à quoi on ressemble, la façon qu'on parle, la façon qu'on s'habille, la façon qu'on, you know, sans continuer. Donc, la liste est longue. La liste est longue. Donc, arriver à dire, OK, oui, je parle fort, and so what? OK, yes, my hair is big, and so what? Yes, my forehead. No, non, mais pour dire qu'à l'île... It's a freak again. Out here. Bon, moi, je ne représente pas bien au niveau du front. Ça va. J'ai caché. Non, c'est ça, c'est d'être vraiment qui nous sommes et de ne pas avoir honte de qui on est, puis de le mettre de l'avant parce que we're nice. We're the blueprint. At the end of the day, c'est ça le thing. Don't be ashamed of who you are. Puis ne pas aussi ashamed de où on vient. Ouais. Parce que c'est super important. Puis le moment où est-ce qu'on arrive à own notre identité, je pense qu'après ça, que les gens ils parlent en mal ou quoi que ce soit, who cares? Exact. C'est pour ça que, qu'est-ce que je voulais amener? Donc, c'était vraiment pour ça que je voulais dire que, comme, la représentation pour moi, c'est tellement important. C'est, dans le sens, c'est ça le but, c'est de put other people out there. My people. You know, comme my people. First thing first, my least black woman, black men. Après, comme les autres, you could pull up to the just thing, pull up, but like, pull I mean, up, man. You're already to the thing, you know? So, you can pull up if you want, but. It's okay, you know. Je dois mettre mes personnes avant parce que, comme nos enfants vont regarder la télé, ils savent encore la même chose. Ils vont regarder juste de la neige à la télé. Like. Ok, j'arrête. That was good. I was just not prepared for it, but that was good. Ouais, non, il peut pas regarder de la neige. Non, ça marche pas. Faut la diversité, faut le show. Exactly. Loki, là, comme, c'est aussi simple. Tu sais, moi, à Noël, comme j'ai vu ma nièce avec une poupée noire, j'ai jamais poupée noire de ma vie. Ouais, moi non plus. Puis, c'était même pas quelque chose que je voulais, parce que d'un, je savais pas que ça existait. On savait pas. C'était comme... Pourquoi une poupée serait noire? Les belles filles sont blanches aux cheveux, aux yeux bleus, tu vois. Puis maintenant, tu sais, j'arrive au magasin, puis je vais arriver pour acheter une poupée. Je vois une noire, je suis comme... Wow. Wow. Pour de vrai, c'est vraiment... Puis tu sais, de voir même à la télé aussi, de voir des petits bonhommes noirs aux cheveux frisés, etc. Ça peut paraître banal pour la génération qui est plus jeune, mais pour nous, c'est comme, wow. Tu sais, on a quand même fait du progrès, puis ça devait toujours être là. Je vais pas dire progrès comme si on était, you know?
Mais de voir que maintenant, c'est de plus en plus visible, c'est super. Parce que c'est tellement important, surtout pour les jeunes, parce que justement, c'est ça qui... Je ne vais pas dire que ça stoppe le racisme, mais ça diminue dans le sens que, comme là, les personnes blanches, on va dire du Lac-Saint-Jean, qui écoutent la télé, puis ils voient une fille noire. Ils ne vont pas comme aller à l'épicerie puis crier quand ils vont voir une personne. You know what I mean? Parce qu'ils ont déjà vu ça. Ouais. Oh my God, ça existe. Fait que, le fait que comme ils voient ces personnes-là, comme quand tu vas à l'épicerie, tu vois des Arabes, tu vois des Asiatiques, tu vois des Noirs. Fait que ça, c'est la réalité de la vie, en fait. Fait que pourquoi même pas la réalité devant la télé pour que ça soit juste plus easy to live in and relatable. And more relatable. C'est fou, je suis genre, mon travail que je fais, je suis intervenante scolaire communautaire. Et dans le fond, je travaille dans des écoles primaires, puis to see the look on the little girls' faces, little black girls' faces, when I walk by, it's just unbelievable. Et de se dire que, oh, cette personne-là, c'est une madame, which is... c'est genre, oh, Madame Stacy! I'm like, Stacy, ça va! and yesterday, j'ai eu une des petites filles, she's just started out of nowhere to give me hugs. Out of nowhere, je marche dans les couloirs and then she'll give me hugs. Et là, hier, elle est arrivée et elle était comme, oh, tu es ma meilleure amie. The way my heart was just like, ah! I turned into a little, like, mush of something à l'intérieur, j'étais toute mushy. Mais c'est pour dire, elle était comme, toi, t'es ma personne préférée, genre, dans l'école. Elle était comme, oh, quand j'étais à la garderie il y a longtemps. Ouais. She's like six. L'année passée. Ouais. Je t'ai pas vu il y a longtemps. Depuis, genre, basically, depuis toutes mes études, là. Depuis que j'étudie, depuis là. Je t'ai pas vu. C'est comment? That was basically what she said. I was like, oh, j'étais pas encore là. J'ai commencé aujourd'hui, cette année, nanana. Elle était comme, ah, OK. Genre, like, I like you. And I was like, this is beautiful for her to grow up being like, I see this girl with an afro walking down the school, being part of the school, like, you know, le corps enseignant, pas enseignant, mais le corps de l'école, puis dans le domaine communautaire et tout. C'est quelque chose que non, c'est incroyable. C'est un sentiment vraiment incroyable. Puis de pouvoir voir dans les yeux, justement, des petites filles, d'être comme, oh, you can look like that as a black girl. You can choose to look like that. Shave your hair, do this, do that, and that's okay. And you're like normal, and you're like a respected adult. And it's like, oh wow. Et là, j'avais une autre fille qui était comme, oh, j'aime trop ton style. J'étais comme, oh. I know. mais vraiment, la représentation, c'est quelque chose de très, très, très important. Vraiment. I cannot stress it. C'est ça qui aide tellement dans plein de jobs aussi, je trouve. Parce que, mettons, tu sais, moi, j'ai parlé niveau télévision et tout. Mais dans les policiers, dans toutes ces affaires-là, on a besoin de ces gens-là. Moi, mettons, je veux avoir un docteur noir. Because you're going to understand me more. You know what I mean? Right now, my therapist is black, a Jamaican woman. And it's a beautiful. I've been with her for the past 3 years. Parce que dès que tu n'as pas besoin de t'expliquer, yo, moi, je suis... Il y a des explications là. Que... On n'a pas le temps, frère. Moi, j'ai besoin de parler. J'ai pas besoin de me faire interrompre. Ça veut dire quoi, boy? Ouais! I wanna talk! J'explique une histoire, frère. Moi, je suis dans le hype du moment, you know. J'ai pas attendu. T'es en train d'aller avec l'histoire, là. J'ai pas attendu. Qu'est-ce que je dis pour faire la traduction, frère? T'es pas Google Translate, là. Exactement. C'est pour ça que I need, like, que ma thérapie soit noire, parce qu'elle peut relate, puis c'est fluide, puis c'est tout, là. On n'a pas le temps de arrêt stop. J'avais une thérapeute non noire, et c'était abominable. Exactly. Comme expérience. Mais pourquoi ça s'est passé? Je comme, mais madame, pourquoi ta mère t'a frappée? Est-ce que tu penses que moi, si je savais pourquoi, je serais ici en ce moment? Et de demander pourquoi, c'est pas ça qui va faire trouver la solution. Or the thing of like, est-ce que tu as essayé de parler avec tes parents? Ça marche pas comme ça. Bye. Okay? Bye. Do you know who gave me birth? Do you know those individuals? Do you even know? They don't know, man. Mais là, après, j'ai eu ma Jamaïcaine, là, puis elle est juste genre, même les petits regards, les petits... They know! She gets it. Exactement. She just gets it. Pas besoin de même parler, juste un signe. And it's, I love. Juste ce sentiment-là est tellement comme, whoosh, j'adore. Comme even right now, tu comprends? On relate tellement d'affaires. It feels good.
Vraiment, là, fait que... Non, moi, la traduction... Ça veut dire quoi? J'ai eu à maman, j'ai pensé... J'ai marché comme what? But talking about representation, le occupation pas hood, mais shout out à occupation hood. Shout out Tai, for real. Keep shout out the shit Tai, keep doing your thing. Non, la chanson. Peut-être à la production, on pourra mettre la chanson après. L'inclure. Tu pourrais parler de diversité dans le fond de Occupation Double, I guess. Exactement, Occupation Double. Puis comment que cette année. Cette année. The person, the people one, j'ai vu aussi que tu les avais interviewed and everything. How's that experience for you and what does that mean for la culture montréalaise, la culture québécoise? Yo, pour nous, je pense que c'est comme si on avait gagné, ramené la coupe à la maison, en fait. Yo! Les gens qui n'ont même pas écouté l'émission ont voté, frère. Tu comprends? A lot of people votent juste même en n'écoutant pas l'émission. Ça veut dire vraiment beaucoup. Mm-hmm. C'est un Haïtien, un homme noir, dark skin, qui a gagné avec une femme arabe. C'est pas avec une blanche, avec une femme arabe. En plus, c'est un power couple. Like, une Marocaine, un Haïtien. I mean... On va pas en parler, mais c'est vrai qu'il y a gros bif avec les parents. Apparemment, on a dit que c'est un gros bif avec les parents. On va pas en parler là. Ça, c'est ouvrir la boîte à Pandore. Là. On accepte tous et toutes. On est des gens ouverts d'esprit, on est des gens accueillants. Non, mais c'est vraiment nice juste d'avoir ça. Puis comme juste, même le processus, en fait, tu sais, comme là, on a win, tout le monde est content, mais même juste de voir le processus, moi, j'ai adoré que juste les stories, c'était juste ça, en fait. Mm-hmm. Juste le processus de juste voir ça, même sur Twitter, n'importe où, je voyais la boule tête du couple. C'est vrai. Même moi qui regardais pas, j'étais comme, OK, là. T'avais pas le choix. Okay. J'avais pas le choix. Partout. T'avais pas le choix de voter. C'est comme si que ça oblige les gens, même qui n'ont pas écouté, d'aller voter. You know what I mean? Fait que c'est ça que je trouve que t'es que... Oh. Mm-hmm. Est-ce qu'on a bientôt fini? Non. Ah, OK, j'ai pas... OK. C'est affaire de micro, là. OK, c'est le micro qui était en... Non, c'est moi. Non, c'est moi qui... Continue, please, continue. Je parle fort, man. Non, mais c'est bien. C'est moi qui a crasé le thing. Là! Comme si que toi, tu penses que toi, tu vas craser le micro, tout le micro, juste par ta voix. Girl! Non, mais c'est... Pour revenir, en plus, tu disais quelque chose d'intéressant quand tu Mais c'est ça, mais c'est bon parce que j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Okay. Non, mais c'est ça, c'est vraiment de voir le processus de quand même les gens qui ne sont pas écoutés, qui ne savent rien d'occupation. Il y a des gens qui ont même fait voter leur personne en Martinique, en Haïti. Nice. Tout le monde a voté, tout le monde, send the link, vote, you know? Yeah. Puis, bon, il y avait un petit bif aussi parce que, comme je ne sais pas si vous avez vu, mais il y avait un bug dans leur vote à eux, genre, comme on pouvait pas glisser, m'emmener vers eux pour voter, puis là, tout le monde était fâché, ah, yo, s'ils gagnent pas. Oui. Ouais, il y avait comme un bug, fait que là, tout le monde était fâché, on était comme, yo, s'ils gagnent pas, on était déjà ready pour, you know, too much ready. Puis après, de voir qu'ils ont gagné de 67%, si je me rappelle bien, wow, du chiffre. Wow. It's a lot. That's a lot. It's really a lot, and, like, ça, c'est, je trouve que ça, genre, quand même, je peux pas dire que ça a monté, qu'il y a, parce qu'on sait très bien qu'il y a encore du racisme systémique au Québec, mais dans le sens que c'est really big. Ils n'ont pas juste gagné à comme 50% de votes. Ils ont gagné à plus que même le deuxième couple, je pense que c'était comme something like 34%, something like that. Okay. Et le troisième, c'était comme 11%. C'est vraiment une grosse marge de... La différence était grosse, là. Les gens étaient down avec le couple. Puis c'est ça que j'ai aimé, genre, c'est ça que je trouve qui est vraiment nice, puis qu'on a vraiment fait du chemin. Comme on n'aurait pas pensé, je pense, qu'un couple racisé aurait gagné Occupation Double. Non. Après tant d'années, on est rendu à quoi, 14 saisons d'Occupation Double? Wow! Je pense. Oui. J'aime à quel point tu es aussi surprise que moi, parce que j'écoute juste pas Occupation Double. Non, je l'ai. Je suis comme, ah ouais, 14? Ah ouais, 67%? Ah ok. Waouh! Je suis vraiment surprise. La saison d'avant, je l'avais regardée vite fait parce que, confinement. Mais l'autre, je ne l'ai pas regardée. Mais j'étais vraiment quand même motivée et j'étais comme, si quelqu'un doit gagner, je veux que ça soit ce couple-là. Mm-hmm. Puis je vais faire en sorte qu'au moins moi, je fasse ma petite part. Mais c'est ça que j'aime avec nous, us black people. Parce que même si on ne sait pas c'est qui, de quoi, de si,
He's black, we're rooting for him. Mm-hmm. Ouais. C'est ça que j'aime. T'as pas essayé pour l'île de l'amour aussi, excuse. Non, vas-y. T'as pas essayé pour l'île de l'amour aussi, je pense. Essayer comment? De m'inscrire? Non, non, mais juste. Non, vas-y, non, parce que j'ai un ami qui a fait l'île de l'amour qui s'appelle Kian. Kian oui, Johnson. Oui, oui, je l'ai vu aussi. I ça. Love him. Yeah, great guy, great guy. Je pense qu'il t'a fait aussi pour promouvoir. Ouais, ouais, j'ai pris. J'ai pris Kian, j'ai fait une interview avec lui. He's also going to be in the Black History One thing. Bon, je vais vous dire un petit secret. Ah, mais oui! Shameless plug, shameless plug. J'ai fait les interviews aussi avec les personnes de l'île de l'amour aussi. Puis ça aussi, quand même, je suis quand même. On a passé proche, hein? Hein? Il a passé proche de gagner aussi à l'île de l'amour. Ouais, quand même. Je pense qu'il était deuxième. Yeah, I think so. If I remember, yeah. Fait quand même, pour de vrai, shout out. Là, en plus, c'est quand même une femme arabe qui a gagné avec un Québécois, Stills, mais c'est quand même une femme arabe qui a gagné. Fait que c'est quand même. We're moving, we're doing stuff, you know? Fait que moi, je trouve que c'est vraiment comme. Je sais pas, je sens qu'il y a quand même un avancement. Même mettons, genre, tu sais, quand il y a eu toute l'affaire de George Floyd et tout, je pensais jamais qu'on allait avoir une rue complète écrite « La vie des Noirs compte ». Right. Hey, shout out « I never was average, my women, my people, over, Anna, Niti, and all the different artists qui ont contribué, vraiment, major shout out to y'all. Puis, vous êtes dans mon cœur. Nice. Non, mais pour de vrai, ça, moi, j'étais vraiment comme, je pensais pas vivre aussi longtemps pour voir ça. Je suis d'accord. Ouais. C'est pas, ils ont pas écrit BLM, là, ils ont écrit La vie des Noirs compte. Ils ont dit, ah, on est à Québec, en français ici. Ouais, ouais. Ah ouais, elle est en français. C'est ça que j'ai aimé. Mais je vais relancer sur un point que tu as dit tantôt. T'sais, on dit souvent que les Noirs se supportent pas entre eux. Qu'on est toujours comme le hater, son prochain dans un sens. Mais tu as mentionné qu'on s'est supporté. Mais aussi, OK, j'écoute pas de façon double, hein, mais tu es aussi, on va dire, minime que soit la cause. On a eu un bel exemple qu'on peut se supporter. Il faut arrêter d'avoir cette mentalité de oh non, si je fais quelque chose, non, c'est pas vrai. Yeah. C'est vrai. Si ta cause vraiment elle a un sens et elle est pertinente, pourquoi les gens te supporteraient pas? D'enlever un peu cette mentalité-là, je pense que c'est important aussi. Mais je pense que cette mentalité. Oh! Quelle langue que je parle, guys? Remix! Je pense que cette mentalité-là, elle est un peu dans le sens que tellement que c'est dur for us black people to do stuff, c'est comme si qu'on veut pas. Comme moi, j'ai vraiment l'impression que c'est même pas qu'on veut pas voir d'autres win, but we want to be first, genre. C'est comme si, genre, mettons, la personne veut être là. Comme, on va dire que comme nous deux, on a un YouTube channel, mais moi, je veux le dead, genre. Fait que je vais pas, on va dire, promote ton YouTube channel parce que moi, je veux que ce soit moi qui le dead. Il y en a qui pensent ça parce qu'ils sont comme, quête, c'est déjà dur pour moi. Like, I'm trying to make it. Fait que je peux pas t'aider live. Il y a de la place pour tout le monde. C'est ça qu'ils comprennent pas. There's place. Comme, like, black people come in all shades, all different persons. Comme, il y a vraiment plusieurs places, comme, il y a de la place. Puis c'est ça, je pense que. Like us black people, on a peur parce qu'on est comme quête, elle est déjà là, fait que genre j'ai pas, ça va être dans le sens, je pense que c'est vraiment le fait que comme tellement qu'ils ont des quotas dans plusieurs affaires, on a peur que ça soit pas nous qui choisissons. On pense que la place est limitée. Exactement. Genre, on pense qu'il y a une limite de place. Alors moi je l'ai vécu, j'ai joué au hockey toute ma vie, which is kind of a Caucasian sport if we can say it. Mais genre disons j'arrivais à une patinoire, j'étais le seul noir de mon équipe probablement toute ma vie. Et là, j'arrivais, je jouais contre une autre équipe qui avait un noir. I wasn't like, oh yeah, what's up? La première chose qui venait en tête, c'est comme, nah, I'm a be the one. I'm a be the one, tu vois? Puis c'est tellement la mauvaise mentalité à avoir. C'est comme, yo, on est les deux là, on est en train d'aide, faut se respecter. Mais moi, j'arrive avec un petit con de 16 ans, je suis comme, nah, c'est moi le négro de la place. C'est moi le négro de la place, genre, t'inquiète pas, mais c'est vraiment ça. Mais c'est bon que tu dis ça, puis c'est bon parce que t'as fait un cheminement, justement, tu sais, t'avais 16 ans, fait que you wanna be the. Comme, je pense que quand on était jeune, on voulait toujours justement impressionner les blancs. You wanna be the black person who was comme la meilleure, la ci, la ça, la petite parfaite, whatever, puis tout. Fait que c'est peut-être ça, mais maintenant, yo, oh! Mais genre, dès que j'arrive quelque part, il faut au moins une personne noire, frère. Parce que I can't deal. I can't deal. Même dans les work, yo, je peux pas. Ça me perturbe. Ça me perturbe. I'm actually like anxious. It's harsh. Moi aussi. Genre j'ai des sueurs froides là. Je suis comme T'arrives dans la place et tu repères, t'es comme you le frérot, elle ou la soeur. You gotta do the nod. Only one, please. C'est comme I only need one, please. Just one. Pour blaguer parce que we need blaguer. Parce que tu sais que quand t'arrives quelque part où it's gonna be like ouais mais l'humour est pas le même. Exactement. T'as vu t'entendre mes amis là, ça c'est pas tout le monde qui comprend. Hein. Exactement. That's true. C'est pour ça que tu sais, on va quelque part puis I know it's only gonna be like Caucasian people. I need
Yo, it's a need. Si la blague est drôle, je vais pas être le seul qui part à courir là. Faut que tu viennes courir avec moi, tu vois. On se fout le props, yeah. Je vais pas être le seul à. Je cours là, je suis comme. Il y a personne. Ma bague, je m'assois. Assis-toi. Yeah, c'est ça. Sit down. Oh my God. Actually, tu prends même pas la blague, juste pour te dire. What? You're right. Mais en parlant d'ailleurs de ça, what's like Montreal's culture for you guys? What's like the culture of Montreal in terms of like blackness, other non-white, really? How do you see the culture of Montreal, en fait? Asian people. Je voulais pas qu'on fasse cette guerre africaine contre la guerre. Non, c'est pas une guerre, c'est juste this fact. This is not the time. Okay. Non, mais tu sais, moi, sincèrement, je viens de Rivière-des-Prairies. J'ai jamais eu ce struggle-là de chercher mes pères. Dans ma classe, il y avait peut-être un blanc puis un arabe. Tu vois, on a toujours été majoritairement des Haïtiens, des Africains. Fait que, tu sais, j'ai jamais eu ce sentiment de devoir chercher mes pères ou de me sentir exclue. Ça m'a vraiment aidé à me forger aussi. Fait que les struggles là, quel perruque tu mets la semaine prochaine, etc. Ça n'a jamais été tabou dans d'où je viens, en tout cas du secteur de Montréal que je viens. Fait que pour moi, oui, effectivement, Montréal, c'est black, quoi, je veux dire. C'est majoritairement, je ne vais pas dire haïtien parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est très coloré. Mais parce qu'à la base, les immigrants qui ont le plus, le pourcentage des immigrants, c'est les Haïtiens. C'est pour ça que, comme notre langue, ben, le créole est tellement... That is true. That is true. Le monde ne réalise pas. Au secondaire, là, il fallait que j'apprenne. Même, il fallait apprendre certains mots en créole. Ben, moi, au secondaire, que tu sois blanc, italien, chinois, peu importe, tout le monde parlait le créole. Oh, sac à fête, yes, un boulet, yo, la forme, tout le temps. Exactement. Fait que c'était même pas le joual, etc. C'était vraiment comme le slang créole. Ouais. Bon, là, maintenant, il y a beaucoup plus l'arabe aussi qui s'inclut là-dedans. C'est le deuxième, je trouve. Exactement. Mais effectivement, le créole, je pense que, en tout cas, tu t'en sors pas là. Mais tu sais, en même temps, je trouve tellement wack, mettons, quand ils disent c'est le slang, parce que it's not a slang, c'est notre langue. Tu comprends? Ouais. Fait que moi, j'aime pas ça quand ils disent genre, oh, mais tu sais, c'est un slang, là, c'est leur slang. C'est pas notre slang, c'est comme. C'est juste notre langue, c'est juste qu'il y a des mots de notre langue qui sont pris pour dire des affaires. Mais tu vois, moi, je l'avais perçu dans le sens comme c'est quoi que le mix du français et du créole et de l'arabe, ça, c'était le slang de Montréal. Et non que quand la personne te dit, oh, la forme, que le mot forme est un slang. Mm-hmm. C'est juste l'incorporation de tout qui devient le slang de Montréal. Moi, je dis ça parce que je sais pas si vous avez vu, mais le journal La Presse, ils avaient mis tous nos mots. Ouais. Ils ont fait un article sur ça, oui. Mais ils n'ont pas le choix. Ils ont pas le choix parce que, tu sais, même moi, des fois, je fais des entrevues pour des gens plus jeunes ou plus vieux, puis il y a toujours quelqu'un qui va te laguer quelque chose. c'est rendu une norme de parler comme ça. Tu marches dans la rue, tu es au Maxi, Maxi, c'est pas mal le chilling spot en ce moment. Tu es au Maxi, tu entends des jeunes, puis c'est genre, yo, viens ici, yo, mon chat. Mais tu sais, c'est une caucasienne, tu sais, littéralement, fait que je pense que c'est devenu la norme. Je le vois pas d'une façon négative tant que tu le tournes pas en blague. Tu sais pourquoi des fois, moi, je le vois négatif? C'est parce que des fois, ils savent pas d'où ça vient, non? La majorité du temps. La majorité du temps, ils savent pas. Les Québécois vont dire « check-moi le bail », puis ou sinon ils vont te jurer, ils vont dire « oh, John Lul ». Oui! Mais ouh, ça me tensionne. And I'm like, tu utilises ça sur moi, frère? Tu utilises mon langage à moi, là. Est-ce que tu sais d'où ça vient même? Ils savent pas. Hein, de quoi tu penses? Ça vient du créole, hein, de quoi? Ils savent même pas! Il y en a qui savent même pas ils savent même pas que du griot ça vient d'Haïti là. That's true. Mais ils veulent le manger so bad. That's for real. That is a fact though. It's a that fact. That is very true. God, you know? That is very true. Faites votre éducation au moins, apprenez frère, ça me dérange pas, mais yo, apprenez au moins avant de venir ici nous distraire avec nos propres mots là. Et assure-toi de mettre le bon mot dans la bonne phrase aussi. Exactement. Damn. Sans commentaire, j'arrête. Yeah, parce que là, on va commencer à embarquer sur les choses. Damn. Non, mais I get that. Parce que moi, personnellement, the way I talk, j'aime bien incorporer le Kirundi, langue du Burundi, where we're from. Des fois, je suis comme, how could I make this sound or be as cool as le créole quand il est parlé? Comment il l'incorpore dans le français? Puis comment est-ce que moi je peux incorporer le kirundi aussi? Parce que comme si que pourquoi pas? Parce que je me dis pourquoi pas? Mais c'est pas si facile. Encore faut-il qu'on comprenne? C'est ça. Ouais. I mean, tout le monde comprend le créole parce que ça fait tellement longtemps que c'est là aussi. C'est ça. Mais admettons, tu dis que tu réagis dans ta langue, j'aurais peut-être fait. J'aurais peut-être pas compris. Fait que
Peut-être si les gens, justement, le parlent plus, peut-être que ça va finir par être plus commun aussi, puis qu'on comprenne, tout simplement. Fait que tu nous apprends un mot dans ta langue. Ben ça, j'attendais un petit buzz, là. Vas-y, vas-y. Un petit buzz, un petit buzz, un petit buzz. Comme si que... Oh, là, c'est le stress. Mon nom, suspense. OK, je peux dire vite. Vite, ça veut dire... Non, ça, c'est plate. Yeah, OK, OK, toi qui sais. Ça, c'est la base. Non. Vas-y, vas-y. Ah, tu vois comment il fait hate sur les mots? Non, Michel, non, Michel. Un mot que j'aime bien, Amahoro. Ça veut dire la paix. And recently, Amahoro. I'm thinking of doing a tattoo of that. Oh, nice. Amahoro. And yeah, it's nice. So it's a few words qui me veulent rien dire en vrai. Des fois, kabisa, c'est genre ouais, vraiment. Mais ça, c'est un peu du swahili aussi. But it's like it's a mixture of like du swahili, du kirundi, different words like that. Mais qu'est-ce que c'est quoi un bon mot que je pourrais mettre même? See, when you're put on the spot when it comes to like languages, même quand une personne te dit OK, vas-y, dis un mot, c'est comme non, mais c'est dur. C'est très moi, c'est dur. C'est des insultes qui sortent. C'est ça! Ouais. Moi, c'est les premières choses que j'ai apprises. C'est les insultes, vas-y. Exactement. Ouais. On va. C'est vrai, c'est un peu. On va se calmer. We're heading to the end, slowly but surely. Puis j'aimerais un mot du futur. More so, like, how do you see the next few months? How do you see the next few, even years of Montreal in terms of the culture, in terms of the shift that is happening right now? How do you see it for yourself? And hopefully... C'est quoi l'impact que tu aimerais avoir within that? I know. Écoute, c'est la dernière question. Il faut bien terminer les choses. Faut... Bah. That's why I'm looking at you. Oh, you're looking at me. Damn. Okay. On va commencer par l'aspect plus facile par rapport à moi. Comment est-ce que je me vois impacter la culture à Montréal? Peut-être ça va peut-être sound cheesy, mais comme être qui je suis. C'est de tout ce qu'on parle depuis tantôt. Je pense que si chacun de nous fait sa petite part, on va impacter nos malouettes. Parce qu'à rien de dire, comme je vous ai rencontré aujourd'hui, je suis comme ça, tu vois. Mais quand je vous ai rencontré aujourd'hui, c'est sûr que tu vas te rappeler de moi à cause I'm cool. Mais aussi parce que, comme l'impact que j'ai eu va influencer d'autres personnes. Fait que je pense que si on arrive tous à s'influencer, nos malouettes, on va apprendre. Tu sais, j'ai appris un nouveau mot aujourd'hui dans une nouvelle langue. Fait que c'est en apprenant à être qui on est puis ne pas avoir honte de où on vient aussi qu'on va pouvoir justement impacter les autres puis un peu changer ou améliorer un peu la culture qui est à Montréal. Mm-hmm. Et où je le vois, Non, ton tour. Laisse-moi réfléchir. Non! Vas-y. Ben, tu sais, je agree de tout ce que tu as dit. Puis c'est vraiment aussi, je pense, de s'unir le plus qu'on peut. Vraiment, je trouve que ça, c'est une des choses les plus belles. Puis c'est une de nos plus grandes forces aussi, de vraiment s'unir. Juste en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Je trouve ça tellement nice. Avoir des discussions. Quand on était jeunes, il n'y avait pas de podcast. Il n'y avait pas. Parce que moi, je sais que... J'écoutais pas de podcast, je savais pas que ça existait, whatsoever. Encore moins de personnes noires que je puisse relate. Puis je pense que justement, c'est ça la beauté des choses, des podcasts, whatsoever. C'est des discussions qu'on a que peut-être on n'aurait pas chaque jour ou même avec nos amis. Je trouve que c'est même encore plus beau avec des personnes que tu connais pas parce que c'est vraiment des choses que tu amènes qu'on n'a jamais pensé en fait. Tes amis, on connaît déjà, whatever, puis tout. Fait que d'autres personnes, je trouve qu'on peut tellement apprendre de d'autres personnes just by talking with them. And listening, yeah. Exactement. Yeah. Nécessairement, bravo. Bravo, parce que il en faut des podcasts comme ça. Il en faut des gens comme vous qui font des choses comme ça aussi pour changer des choses. Fait que, si je peux dire, dans le futur, Montréal va avoir encore plus de podcasts owned by black people qui vont être là et qui vont inspirer la génération aussi, qui est déjà là, mais la génération future aussi. Puis parler des vraies choses. Sincèrement, je peux donner un conseil, encore là que je donne à tout le monde, mais parler des vraies choses. T'sais, des fois encore, on veut se mettre dans le moule comme si, oh, we black people, on ne peut pas faire tout. Non, let's talk about it. Tu vois? Parce que si ce n'est pas nous qui le faisons, ben, il n'y a personne qui va le faire. Si les jeunes ou les plus vieux ne l'entendent pas, ben, ça va toujours rester tabou puis ça ne doit pas être tabou. Quand les choses ne changent pas. Donc, Montréal va être une ère de changement. Puis c'est important, qu'est-ce que tu as dit? Parce que la génération, comme on dirait, les gens ne comprennent pas à quel point que la génération en dessous de nous, c'est le futur. Genre. Mais c'est ça. Yes. Everything that we're doing, c'est toujours pour. En bas. Yeah. Moi, chaque jour, je pense souvent à mes ancêtres, là, de comme qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'ils se sont battus pour nous, whatsoever. Puis en ce moment, peut-être qu'on ne serait même pas sur une table en ce moment en train de parler. C'est comme, they fight for us. Fait que c'est vraiment comme important de comme inclure les jeunes, inclure la nouvelle génération dans tout ce qu'on fait, en fait, je trouve. Yeah, right. C'est le futur pour de vrai. And what would be the
T'as menti, au fond, c'était pas la dernière question. C'est ça, là. Non, je suis hype. Vous avez répondu tellement bien puis tellement vite, je suis comme... Ah, mais attends, on a mais il manque quelqu'un, t'as pas répondu. Ah oui! Yeah, non, merci, parce que là, moi, j'étais comme, yo, est-ce que je peux parler ou... Non, il n'y a pas de problème. J'ai adoré les deux choses que vous avez dit, mais c'est une petite chose que j'aimerais rajouter de mon côté. C'est une des choses que j'adore de Montréal aussi, c'est la diversité qu'on a et qu'on est capable de, genre, l'incorporer dans l'art, la musique, and everything we do. Mm-hmm. And oui, on est ici, we're four black beautiful people talking and trying to like teach each other and learn about each other, mais aussi whoever you are out there, blanc, noir, rouge, vert, whoever you are, like, faut être unis. We need to be this big Montreal team. On ne peut pas se séparer. En se séparant, on ne va pas progresser. Mm-hmm. We have more mm-hmm. progress when we're in a team, mm-hmm. playing c'est as a team. There you go. Mm-hmm. There you go. Mm-hmm. Yeah. Mais je trouve que 12, justement, j'aime le fait que tu as inclus tout le monde parce que, comme tu as dit, c'est ça qui fait la force. Puis on a vu ça aussi par rapport, comme ma bête de revenir encore sur le Black Lives Matter, mais non, par mais rapport non, que. Moi, j'aime le fait que, comme. Vas-y. Comme j'aime le fait que j'aime beaucoup les Blancs qui sont éduqués, genre, mm-hmm. puis qui sont des vrais alliés, puis qui root for mm-hmm. us, you know. Je sais pas si vous avez vu, mais il y avait une photo pendant le Black Lives Matter, pendant l'affaire de George Floyd et tout, il y avait des manifestations et tout. Il y avait des personnes blanches qui sont tenues les mains ensemble comme un bouclier devant des noirs. Yeah. Mm-hmm. Ça, c'est those are the kind of white people that we want to see. Mm-hmm. You know, c'est yeah. ça la c'est force, vrai. C'est de s'unir ensemble. C'est des, ça, c'est des alliés. Ils savent, ils reconnaissent notre couleur de peau, ils reconnaissent leur privilège blanc. Puis ils nous aident avec leur privilège blanc. Mm-hmm. Yeah. You know, yeah. Je vais même l'admettre à une plus grande échelle que on le fasse ça, mais pour tout le monde. Mm-hmm. Je veux dire, soit pour les autochtones, soit pour les Surtout ouais. Si c'est pas juste, ok, black and white. Comme il y a d'autres c'est personnes qui comprennent pas. Fait, the same way you're gonna support me, the same way I'm gonna support you yeah. too. Fait que si tout le monde arrive à avoir cette mentalité que, tu sais, we are humans. Mm-hmm. Dire si tu viens un struggle, je vais t'aider, peu importe yeah. ta couleur, mm-hmm. puis je m'attends à une chose que de toi, ben il n'y aura pas de problème. Mm-hmm. 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 Fait que ouais, support. Yep. True that. Ok, la vraie dernière question. Ah, la vraie dernière question. You're too good. C'est pas ma faute. Vous avez les réponses bien comme ça, puis ça sort bien. Écoute, c'est pas ma faute. Ça serait quoi le conseil que vous auriez à donner à une younger girl or like la 10-year-old version of yourself? Fille, 10-year-old version of yourself, garçon. Ça serait quoi le conseil que tu aurais à lui donner? Ou ça serait quoi la chose que tu pourrais lui dire de comme... look forward to even. Et je trouve ça tellement drôle que tu demandes ça parce que je demande ça dans mes life for Black History Month, puis j'ai jamais pensé moi-même. Mm. On t'a mis en despot. Je suis vraiment dead. Ok, vas-y. Non. Girl, your turn. What would I say? Elle avait commencé tout à l'heure, vas-y. C'est ça. Okay. What would I say to the younger, low, to the ray? I think is d'assumer qui que je suis, en fait. C'est ça que j'aurais dit à la mini loterie. Tu sais, avant moi, c'est soit j'étais grosse, soit j'étais pas grosse, soit j'étais... Like, mon poids changeait tout le temps. Je me cachais un peu par rapport à ça, souvent. C'est vraiment le physique, puis de jamais penser que comme, c'est le physique qui va te rendre loin dans la vie. Comme moi, qu'est-ce que j'ai gros, je pense, c'est que j'ai toujours été à 1000 à l'heure vers ma personnalité. J'ai jamais pensé que comme c'est mes grosses fesses qui vont me rendre loin. Ou comme que, like, I have a pretty face whatsoever. J'ai toujours misé d'enfant sur who I am. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment de rester soi-même puis de vraiment like keep it real and that's what I do, I guess, you know. Ça m'a pris du temps donc comme mettons avoir la confiance en moi whatsoever par rapport à mon physique et tout. Ça m'a pris du temps but now I know that I'm a bad bitch, you know. Yes. It took time but now I'm like, you know. But talk your shit baby. Yeah. Fait, je pense que c'est vraiment d'assumer qui je suis. Je pense que c'est vraiment ça que j'aurais dit à la mini Young Lou Turbin. Nice. Yeah. I love it. Je me sentir comme un copieur. Because that's exactly what I wanted to For say. For real? Honestly, c'est ça que je voulais dire aussi. I feel like it's everyone's struggle. Quand t'es jeune, tu veux tellement genre faire partie d'un groupe où tu te cherches. Mm-hmm. That you forget to like appreciate who you are and accept it. Mm-hmm. And mm-hmm. Honnêtement, pour eux, ça a été le plus gros struggle pour moi. Mais une fois que j'ai accepté la personne que je suis, ouais. You made me so like stronger, resilient. Everything. Puis mm-hmm. je pense que c'est vraiment un gros conseil que I would bring forward to the next generation. Nice. Puis je ne vais juste pas sentir comme je te copie, mais je te copie en même temps. Moi, je vais me sentir comme je vous copie parce que c'est un peu ce, le même feeling que j'ai. Puis je pense, comme il l'a dit, c'est un peu le même feeling qu'on a tous eu. Mm-hmm. C'est Loki. De vouloir rentrer dans le moule. Une autre chose que je pourrais rajouter, c'est s'entourer des bonnes personnes. Mm-hmm. Yes. Parce que t'as beau vouloir avoir confiance en toi, t'as beau vouloir dire, OK, je m'assume comme que je suis, mais si les gens autour de toi ne sont pas là pour te hype ou pour te support, c'est un peu plus difficile, tu vois. Parce que des fois, t'es là, t'essaies de sortir ta carapace, t'es comme, OK, you know what? Moi, OK, by the way, entre vous, entre
you know. J'ai eu ma période très funky, genre j'avais genre mes cheveux comme rose fuchsia puis blond, etc. Very nice. Thank you. Very nice. J'étais comme, okay, you know what? It's me. This who I am. Je vais arriver en avant, etc. Mais t'as toujours quelqu'un pour arriver puis dire comme who is that? Mm-hmm. Puis là, veux pas, tu sais, ça vient te hit quand même et tout ça. Bon là, comme vous pouvez le voir, j'ai changé, mais j'ai changé volontairement. Mais pour dire que c'est important de yeah. C'est important de s'entourer de personnes qui comprennent ce que tu vis, des personnes qui vont te supporter aussi, parce que finalement, ben, à force d'entendre des choses qui peuvent être négatives aussi, ça peut finir par changer qui tu es, mm. et pas nécessairement de la bonne façon. Donc oui, mon conseil à moi plus jeune, c'est vraiment de dire, OK, ben, de un, d'assumer qui je suis, d'être fière aussi de qui je suis. Parce que des fois, tu peux assumer qui t'es, mais pas nécessairement être fière de qui tu es. Mm-hmm. Comme moi, j'ai toujours été la longue en arrière, là. Comme, tu sais, je fais quand même 5 pieds 10, là. Ça fait 11. Mais c'est ça. Ça, c'est les gangs. Girl, yeah. C'est les gangs, ouais. Je suis 5-10 aussi, c'est là. C'est ça, c'est les gangs, mais t'en lâches pas. Mais ouais, même toi, t'es genre 5-9. Moi, je suis 5-10. OK, j'aime ça. Bring it, tall girl. Right. Mais tu vois, j'étais toujours, tu sais, comme, OK, pas loin devant, automatiquement. Fait que j'ai toujours été complexée par ma grandeur, tu vois. Oh, wow. Jusqu'à, ben oui. Pis, same. Mais tu sais, malgré que les gens, ben oui. Pour vrai, complexée par la grandeur, wow. Mais oui, mais c'est parce que quand tout le monde autour de toi t'arrive là, moi, je me rappelle, là, j'ai dû arrêter de jouer au ballon-poire à comme 8 ans parce que le poteau m'arrivait là, j'arrivais pas à frapper le ballon, tu vois. Fait que tu sais, t'es toujours en arrière, t'es toujours l'exclu, tous tes amis s'appuient sur leur épaule, mais moi, je peux pas, etc. Oui, lâche. C'est correct. Lâche. Mais ouais. C'est OK. Non, parce que c'est lit, ballon poire. C'est un gros mais jeu. Mais non, parce que je voulais talk about it, mais je l'ai laissé parler. C'est mais I was good at the thing. I was ballon poire. I was good too, mais j'étais trop grande. Fait qu'il fallait que je me mette à genoux pour pouvoir jouer au ballon poire. I know. That really sucks. See, those are the only experiences where I'm like, I'm glad j'ai grandi en Afrique quelque part. Ouais, au bled. Au bled. Il n'y avait pas de jeu. Les jeux, ce qu'il y avait, c'était on court. On les invente nous-mêmes. And it involves running and like tag and different things like lance that. Le ballon, va chercher. Allez, voilà, voilà. Effectivement. Puis tu sais, à un moment donné, les gens vont toujours te dire, oh my God, you're so tall. Wow, yes. Are you mannequin? Mais tant que tu n'as pas own qui tu es, les gens ont besoin n'importe quoi. Moi, ça m'a pris longtemps avant d'assumer. De vouloir même mettre des talons, parce que quand tu mets un talon, les gens te regardent. J'ai une meilleure. Moi aussi. Effectivement. Puis maintenant, parce que je suis arrivée à own qui je suis, t'as beau me dire, je ressemble à YZ. I don't care. Mm-hmm. This is who I am. Puis mm-hmm. I'm proud of myself, tu vois. Yes. Fait que d'arriver justement à honte qui tu es, puis de t'entourer des bonnes personnes, de grandes personnes aussi, ça. Ça fait que t'as l'air mal. C'est la dette, non, c'est la dette. C'est la dette. Mais j'aime tellement ce que t'as dit par rapport à ça. Manu, qui est derrière la caméra, on t'aime. Que dis-le, Manu. Il est 5 et... Tu es quoi? 5 et 5? 5 et 4? Il n'est pas 4 pieds? 5 et 3? Il est grand dans le cœur. Il faut arrêter. Il est grand dans le cœur. C'est ça. C'est le cœur qui compte. Mais j'aime ça. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit que comme tu t'es entouré de d'autres grandes personnes, whatsoever. Mm-hmm. Puis c'est un peu... Je ne sais pas si c'est la même chose, mais moi, c'était par rapport à dark skin, parce que je disais, I'm a dark skin, as you can see. Fait que moi, c'est vraiment... c'est comme si c'était une obsession pour moi de trouver des amis dark skin, parce que c'était toujours la seule dark skin. Ouais. Puis c'est la même chose pour ma soeur. Ma soeur, c'était la dark skin de sa clique. Moi, c'était la dark skin de ma clique. Fait que toutes les blagues, charbon, whatsoever, c'est moi qui les prenais tout seul, tu comprends? Moi, j'étais la dark skin au Burundi. OK. Là, j'ai pris la couleur d'hiver, ma... Mais là-bas, j'étais parmi les dark skin of the bunch, you know? Like, the dark skin and the tall one. And it was like... C'était trop. Mm-hmm. And then, add on the fact that I'm a tomboy, then it's like... Même moi. Ouais, c'est quoi ton problème? Il y a plein de chapeaux. Ouais. C'est comme, OK, mais tu n'as pas voulu être normal. Encore une fois, c'est quoi normal? Tu n'as pas voulu être comme les autres filles, normales. Non, I get it so much. Whether it be my aesthetic, my style, the things that I wanted to wear. Moi, je n'ai que des frères. So, les vêtements que je voulais mettre, je suis comme, pourquoi est-ce que moi, je vais être inconfortable pendant que lui, il est confortable? This is not fair. I need to be comfortable too. Pourquoi est-ce que je vais mettre une jupe alors qu'on va faire des activités où on va monter des arbres puis on va faire des affaires comme ça et courir et jouer au soccer? Pourquoi est-ce que je mettrais une jupe? Déjà, ils vont dire que je ne joue pas bien parce que je suis une fille. So, c'est why vrai. Am I going to add on to this and yeah, and add on to it?
Mais je trouve ça nice de relate parce que comme je suis genre, moi, c'était vraiment comme une... C'était rendu une obsession, mais intérieurement, genre. Same, si je disais pas aux gens... Tu vois une personne, puis t'es comme... Toi, ouais, je te jure, j'étais comme... Mais d'où vient ce que t'as dit tantôt, avoir besoin de ce sentiment d'appartenance, de modèle, d'exemple autour de nous aussi. Exactement. Parce que, tu sais, ne serait-ce que quand t'es jeune, là, ou à un moment donné, t'es au cégep, ben, tu sais, OK, c'est quoi ta couleur de fond de teint? Juste de savoir où, admettons, comment tu t'habilles, admettons, tu es une taille plus forte, puis de savoir que t'as une autre amie qui est taille forte, ben on peut se comprendre entre nous, fait d'avoir des amis qui vrai. Nous ressemblent. Mm-hmm. Je trouve aussi que c'est important parce que souvent, je veux dire, les autres personnes ne comprennent pas ton struggle. Là. Ouais, comme, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'en ai connu des amis noirs qui avaient juste des amis blanches, puis de comprendre que même à 18 ans, elle ne peut pas sortir de chez elle parce qu'il est trop tard. C'est comme, ben là, t'as 18 ans, t'es une adulte. Oh, my God! Asian woman, Asian mom, they don't work like that. Tu comprends? Fait que c'est de cette réalité-là aussi qu'il faut... qui t'as pas besoin d'expliquer, justement, quand t'as des gens qui... Exactement, exactement. Parce que devoir expliquer que, comme, regarde, moi, je dois rentrer à cette heure-là, OK? Yeah. Comme, et moi, je peux pas dormir. Mal, c'est quoi mon âge? Sinon, demain, tu me verras pas. Exactement. Tu vas voir dans le journal, et la surtout, il y a pas de négociation. This is how it is. Ouais. Appelle ta maman, demander. Non, non, non. Non, appelle ta mère, elle va parler à ma mère. Ma mère va appeler ta... Non. Tu veux ma mort aujourd'hui? Ils comprennent pas. Ça, c'est... Moi, je trouve ça fou, ça. C'est pas leur réalité. Je vais pas à comprendre. Je vais juste trouver des gens qui vont me comprendre. Exactement, là, c'est ça, exactement. C'est là que beaucoup de gens vont être comme, ah, oh, mais vous voulez pas vous ouvrir aux autres personnes, vous voulez pas être ouvert à aux autres cultures. But it's like, I'm trying to find people who get me. I'm not trying to... J'essaie pas de créer une secte, là. C'est pas ce que j'ai en train d'essayer de faire. J'essaie juste de trouver des gens qui me comprennent et qui sont capables de m'accepter, de me soutenir pour qui je suis et de là où je suis rendue dans ma vie. Pas des gens qui voient, you know, talking about being like famous and whatnot. Les gens qui veulent juste être like, they want to have you be in their life so that it can mean something for them. So they don't want you in their life for themselves. They want you in their life really for themselves. So it's a very selfish reason. Non, je comprends totalement. Moi, c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment important de pouvoir relate. Puis l'homme derrière la caméra! Oh! Le million garçon! On a un remplacement, wesh! Hey! C'est comme dans une équipe de soccer. Quand le gars est blessé, allez, je suis revenu. Rotate! Hey, shout out to the East Africans. Rotate! Hey, ma chanson, vous connaissez pas, mais vous allez connaître. Son baby reset! On a toujours un homme en remplacement, sachez-le. Aïe, aïe, aïe. Mon présentateur donc, rendu là, à ce point. C'est ça. Mais écoutez, je suis le gars Mignon derrière garçon, la caméra. Tout blanc. Qui est maintenant devant la caméra. C'est un surnom qu'on m'a donné. Donc, guys, j'ai passé un moment délicieux à vous écouter. J'espère que les gens qui vont écouter le podcast vont passer le même moment parce que c'était des barres et des barres et des barres tout le long. J'ai pas arrêté de rire pour de vrai. Ah, je crois que j'aurai un massage du joue tantôt. S'il y a des volontaires dans l'urgence. Oh là là. Oh là là. Voilà. Mais pourquoi la perversion doit sortir? Non, j'ai la barbe douce. J'ai mis l'huile. J'ai la barbe douce. Donc vraiment, je suis très 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 fier et honoré d'être parmi autour. Parce que vous savez, parfois, il y a des gars qui ne peuvent pas assumer que des femmes soient plus, comment dire, magnificentes qu'eux, en fait. Vous avez une présence qui ferait... Part 2, quoi. We're doing the part 2. Vous avez ça? Part 2. C'est vrai. Let me check. I mean, yes. Vous avez une présence qui effraierait beaucoup d'hommes. Et sincèrement, un homme qui se retrouve autour de femmes de basse lady, moi j'appelle, c'est un homme qui... doit l'assumer. Parfois, on dit le proverbe qui dit « Derrière un grand homme se cache une grande femme ». Moi, je dis souvent ma frangine, à côté d'une grande femme se cache un homme qui parfois assume. Ouais, vous comprenez? M'a dit ça une fois, j'ai dit « Moi, c'est ce que je pense. Il y a parfois à côté d'un homme, à côté d'une grande femme, un homme qui assume de temps en temps que cette femme à côté de lui est une basse lady. Donc, j'aimerais vous ce soir, avant qu'on ne conclue, vous dire que vous avez été des méga basse lady ce soir. Vraiment très apprécié. Mon nom c'était Magné Tony. Et pour ce cas, c'est. Et qui est le sapeur? Là, on. The real is bound. The bond is real. The bond is real. Okay, guys, non, moi je suis. Ouais, bon, maman, ouais. Vous comprenez pourquoi je suis derrière la caméra? Juste le remplaçant, c'est voilà. Baby, come back. Voilà. Come back. Mais
mais j'ai aimé qu'est-ce qu'il a dit, Do. Oh mon Dieu, à côté même d'une femme, à côté d'une femme, il y a parfois un homme. Il y a beaucoup qui veulent, mais c'est pas tout ce qui peut un homme. Qui parfois. Exactly. Je oh, pour, et c'est pour ça que c'est important pour moi que mes frères voient ça, soient dans le jus. Yeah. Ils puissent sentir ces effets-là, ils puissent sentir que il y a des femmes fortes. Et il n'y a aucun mal à être forte. Ouais. Y a mais aucun je pense mal. Que j'ai l'impression que les gars ont peur beaucoup justement de ces femmes-là. Parce qu'ils ne peuvent pas handle. That's okay. Yeah. Next. Yeah. But that's a them problem at the end of the point, though. Mm-hmm. Tu peux pas genre avoir peur de be the strong person that you are because of their reaction. Mm-hmm. Be who you are. And si tu n'as pas de handle, next. C'est ça. Next. Exactement. Next. Thank you. Parce que I have so many shit to say about the things, but we're not even that. Non, parce que moi, c'est ma vie, en fait. Vous comprenez? Moi, c'est legit ma vie. Puis c'est toujours la même chose. C'est comme si, you know how I talk, you know. Vous savez, moi, je suis là, comme si. Puis les gars, on dirait que comme j'ai l'impression que ça les afraid. Same. Pour de vrai, vous aussi? Ben oui. Girl, OK. Tu te ressembles, ça sent. I love it. Non, mais why you think I'm single right now? I'm single too. I'm single too. Non, mais pour dire, regarde... T'sais, on parlait de plusieurs chapeaux. Yeah. We're a black woman. Yeah. We're tall. Yeah. Like, real tall. Mm-hmm. Plus que la moyenne. Mm-hmm. Puis en plus, on a un fort caractère. Exactly. Fait quand t'arrives devant un gars qui peut pas handle, puis t'arrives là, puis... En tout cas, je pense qu'on parle, tous fort, peut-être un peu moins elle. Mm-hmm. Mais dis-toi, quand t'arrives là, puis t'es là... Comme, de là-bas, non seulement je te vois, mais je t'entends. Mm-hmm. Les gars fait comme, OK. Comme, yeah, she cute, but she might be too much. Mm-hmm. Puis non, mais je suis peut-être too much pour toi, but I'm not too much. Mm-hmm. C'est ça qu'il faut faire la différence. Mm-hmm. Moi, un gars qui arrive, il me dit, oh, t'es too much. Comme, non. Then find less. Go find less. There you go, it's dumb. Exactement. Parce que encore une fois, comme ça, de s'entourer des gens qui te comprennent mais qui te supportent aussi. Moi, les gens qui vont me dire, oh, tu devrais parler moins fort. Oh, tu devrais t'habiller un peu moins comme... You know, let me be. Exactement. Let me be. Si tu veux pas être là... Oh ouais, exactement, j'aime tellement ce que tu as dit parce que justement ça fait partie de la force de s'assumer en fait. Exactement. Parce que moi, vous savez, comme là aujourd'hui j'ai les cheveux noirs, mais vous savez, souvent des fois j'ai des wigs bleus, mauve, rose, whatever. It's okay. Puis c'est d'assumer ça, puis justement. J'adore ces. By the way, I can't rock a wig, mais j'adore. T'as jamais fait, tu sais, you can't do it. Je vais te faire. I got you. I'm gonna talk. Lui là, juste hâte de voir ma tête. I got you. Ça sera dans le prochain tutoriel sur YouTube. Oh my god. Les filles? Juste essayer, je suis down. Les filles? C'est ton. Non, you gotta do it. Je peux pas ne pas le faire. Rendu là, je peux pas le faire. Non, ça va être nice. You know how to do that? I know how to do it. Ok. J'adore. On va avec créativité tantôt. C'est mon deuxième nom. J'adore! Wow! Ooh, I like that. Love it! J'adore! J'adore, mais guys, je suis tellement contente de pouvoir relate dans ces choses-là parce que comme souvent, les gars vont faire comme « Oh non, parce qu'elle est poseuse, elle est ci, elle est ça. » Ouais, non, moi aussi. Oh. Moi, c'est comme « Oh non, elle est intimidante, je sais pas comment l'aborder. » Mais c'est comme « Mais moi, j'ai... » Don't be a pussy, nigga, damn! Mais en fait, c'est pas ça. Ça peut être ça. Mais il y a d'autres aussi qui ont tellement un gros ego qui sont pas capables d'accepter une personne who is as... Ça fait gado. Yeah, basically. Dis-le que j'avais dit, Do. Ça te regarde, ça te concerne. Mais l'affaire, c'est que tu peux ne pas être capable de supporter qui je suis, mais ne me demande pas de baisser qui je suis pour toi. Yeah, I agree with you. Genre, Chanel ne va pas baisser ses prix parce que you're broke ass. You're right. Pas à le payer, va t'acheter ton sac chez Walmart. I'm a Chanel bag. You can afford it, it's okay. That's it. Je disais tout ça en disant que c'était le issue du boy. J'agris avec vous. Là, I'm trying to survive this thing, you know? I'm good. Mais t'as dit un point qui est intéressant avant qu'on termine. Là. Le mot poseuse. What does that even mean? Moi, pour de vrai, mettons, avant que les gens me rencontrent, les gens pensent souvent que je suis une poseuse. Which I don't understand parce que je suis tellement comme... Je suis une blagueuse, là. Fait que je comprends pas vraiment where they get it. Ouais. Mais pourquoi je suis poseuse, en fait? Le moindre moment, tu commences à avoir un peu, comme ils vont dire, de l'attitude. Ouais. Ou bouger ta tête un petit peu trop pour eux. Lever ton ongle, comme ça. Ah, pose. It's the end. Puis il manque beaucoup dans la liste, hein? Ouais. Mais là, mais comme elle a dit, it's the end. Part two. Conversation part two. For next time, yeah. Part two. Vraiment, merci beaucoup for your time. Merci à toi. Low to thanks the rain. Madame Pelandre. Yes, je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de t'appeler madame. Mademoiselle. C'est mieux que monsieur. Because it's your birthday, you're a lady. You know? You're the lady of the day. Oh, lady of the episode. Thank you. It's a
yesterday, not today. You see, on a glissé un petit qui on dit, vous n'avez pas vu. Ça peut être smooth, ça peut être smooth. J'ai même pas vu. Tu vois, ça peut être smooth, ça peut être smooth. I'm your host, Stacy. Vraiment, this has been a very, very, very great episode. First episode en plus. Mm-hmm. Vraiment, this was great. I was with my lovely co-host. Yes, and it was really our the pleasure. Brother man. Yeah. Thank you for being such beautiful guest, honestly, and making the conversation easy and flowy. Yes. Mais pour de vrai, thanks so much. Pour de vrai, j'apprécie tellement. Puis j'aime, like, I love y'all. Like, le lien que vous avez avec Eux. Thank you. I could never do that, okay? So, genre, je trouve ça vraiment cute. Comme vous avez un podcast ensemble, ça veut dire que vous êtes vraiment close. Puis comme, je trouve ça vraiment cute. I love you too so much. I can see the vibe. Yo! And I fuck with y'all. Moi, mon cœur, là, il est tout fait, là. Moi, là, mon vendredi, il est fait. I can go home. Non, mais sincèrement, comme, je pense que c'est un des plus beaux cadeaux que la vie pouvait m'offrir d'être là aujourd'hui. Parce que, OK, les gens vont t'acheter comme, OK, Chanel bag. Je prends. Je prends. Mais pour dire que, tu sais, il y a le matériel et tout, mais je pense qu'il faut aussi prendre conscience de ce qu'on peut acquérir de façon personnelle. Et permanente. Connections. Genre, il n'y a rien de matériel qui aurait pu apporter ce que j'ai vécu aujourd'hui. Wow. Genre, parce que, ça, comme j'ai dit, ça fait partie de mes goals, whatever, de grow. Puis juste d'être là avec des gens aussi exceptionnels que vous, pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Là. Puis, sincèrement, mes 29 ans commencent sur une super bonne note. Wow. Thank you. That was beautiful. Happy birthday, girl. Happy birthday. Happy birthday once again. Yeah, bless this episode. Yeah, bless this episode. Le prochain podcast. Ooh, on avait aussi un special guest. Oh, don't forget about this homie. Chloe. Big homie, the Chloe. Big C, Big Chloe. Big C. Big C, the plant. Chloe, she's Chloe natural. No, natural. Oh, natural. Ah ouais, ah ouais. Elle a adoré la discussion. Ah ouais, elle a bien interagi. My emotional support plan. Yes. À chaque épisode, on va voir. Ça va changer. I'm gonna bring my different babies on pour m'aider. But you know, I brought in my very first plan for the first episode. Donc, bravo, Chloe. C'est ça. Thank you, Chloe. Shout out to Chloe. Shout out. We love you, Chloe. Shout out. Grosse femme, Chloe. Grosse femme. En tout cas, merci beaucoup, guys. Merci. Thanks to you. Thank you. My God, je pense qu'on va pas finir avec les merci. And again, last episode, first episode rather, the end of the first episode of Le Bond is Real. The bond was real on this episode. Mm-hmm. Si vous ne l'avez pas ressenti, I mean, that's a you problem. Ça fait gado. That shit was here and that shit was real and it was felt and lived. It was important. Thank you very much. And à la prochaine. À la prochaine.